Nous, les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux, saisissez chaque opportunité. Soyez fiers si par vos actes, des plus discrets ou plus fous, vous avez cassé les codes. Salut à tous, c'est Myri401, bienvenue dans ce quatrième épisode sur Sid Meier's Civilization Beyond Earth Rising Tide. Donc dans l'épisode précédent nous avions un peu avancé, on est un peu dans la galère, faudrait genre faire une villa... Bon, on va essayer de faire de notre mieux, je ne garantis pas qu'on gagne ce let's play, mais je vais faire de mon mieux en tout cas, on avance petit à petit dans l'aventure, sans trop se fouler. Donc on va valider ceci, hop... J'en suis où? Ok, bientôt une doctrine, très bien. Par contre, on n'a toujours pas de ressources de stratégie. Malgré tout, le fait que le pétrole pose pas mal de problèmes, va falloir qu'on y pense, parce que le pétrole est une ressource nécessaire si on veut lancer des satellites, parce que c'est le moyen d'avoir des satellites dans le jeu. Faut bien les lancer, hein, ça consomme de l'essence. Et donc voilà, ce qui est un peu con pour un truc qui se passe dans le futur. Faut l'avouer, j'ai pas trop compris le délire des développeurs, du coup. On gagne quoi en faisant ça? 60 d'énergie, j'ai pas mal de chance, faut l'avouer, au niveau de ce point, pour ce point-là. On va continuer à faire ça, hop. Voilà, il va faire sa route tranquillement, lui. Par contre, du coup, ce que je voulais vous dire aussi, je ne sais plus c'est quoi, je sais pas bien, Myri. Bah, je ne sais plus, ouais. Bon, bah, écoutez, hop, c'est pas grave, c'est parti. Toi, bah, tu continues ta petite balade, mon gars, hop. Voilà, très bien. De toute façon, le temps que les autres arrivent, on a le temps de boire. Il y a un autre truc progéniteur dans le coin. Je sais pas s'il lui reste quelque chose. On va bien voir. Par contre, il est vachement belliqueux envers les aliens, hein, la vache. J'ai rarement vu ça. Du coup, toi... parce qu'en général, c'est moi qui tue les aliens en boucle. Ça m'étonne quand même que l'IA aille jusque-là, hein, quand même. Faut l'avouer. Mais bon, on verra bien ça pour la suite. Toi, c'est très bien. Il y a du... miasme là-dedans, non. Là, il y a du miasme, oui. Bah, écoute, vu qu'on en est, viens-moi le miasme. Parce que pour le moment, mes ouvriers sont pas immunisés contre le miasme, donc on va plutôt s'en débarrasser. Puis à la limite, si on veut, on en rajoutera un nouveau. On n'est pas très perdant. Donc votre expédition a démantelé l'épave d'un satellite accidenté, originé d'inconnu. Il était relativement intact malgré sa sortie d'orbite. Les matériaux récupérés procurent à Mandira un bonus de 80 de production. Très bien. Et on a gagné... Ah, vous avez découvert la station La Libella. La station La Libella fournit une case de culture toutes les villes communiquant avec elle. Malheureusement, je ne peux pas communiquer avec elle, parce que je suis déjà à mon max de possibilités de communication avec d'autres cités. Donc on va continuer notre balade. Ça, c'est très bien. Ça nous en fait un de plus. On va valider le tour. Oula. Pardon. Oula, d'accord, désolé, j'ai fait une petite erreur. Misclic. Et par contre, va falloir qu'on améliore nos traits, par contre, parce que ça devient très, très gênant. Donc on va faire, je pense, la santé, parce que c'est un gros problème pour nous. Les avancées restent donc... Non, tais-toi. Merci. Rien que pour vos yeux, les avancées récentes en informatique ont permis d'établir les bases d'un organisme de surveillance et d'opérations secrètes sophistiquées. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de former nos agents secrets. Très bien. J'adore les ordinateurs, car ils automatisent les opérations pénibles et nous dégagent du temps pour les choses importantes, comme les manipulations boursières. Voilà, Utama qui est un chef de faction né pour prospérer, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Par contre, je voulais pas faire ça, punaise. La roue, le levier, le plan incliné, la dynamo et la vis. Ça me fait chier parce que je veux pas faire cette victoire-là, et malheureusement, ben, le jeu nous y entraîne de force, et ça me fait plutôt suer. Donc je suis obligé d'ignorer toutes les améliorations pour le moment. Voilà, ignorer. Toi, tu me fais ça, voilà. Ensuite, en recherche, on va faire probablement la physique. Même si c'est pas la recherche la plus utile pour nous. Faudrait qu'on fasse une recherche qui nous permet d'augmenter notre... Oui, ça. On va faire ça. On n'a pas le choix, ça augmente la santé. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est... On va aller vers notre capitale.
Hop, je fais des bêtises. Du coup, tu dois me faire l'agence, c'est une priorité. Unité en attente d'ordre. Oui, si tu veux. Hop. On va continuer à chercher ce qu'on veut, nous. On cherche des plantes, justement. Au niveau de l'update de la quête, je sais pas où on en est. On en est à 2 sur 8, ok. C'est un peu fastidieux à faire comme recherche, je trouve, personnellement. Très fastidieux, même. Pas des plus évidents. Du coup, lui, on va peut-être pouvoir le renvoyer sur ça, après. Ça peut être intéressant. Je pense. Ça serait bien que son bateau coule, par contre. Ça me ferait plaisir. Du coup, très bien. Mais ça veut dire que là, attendez. J'ai pas fait attention. Oui, 2 sur 8, c'est ça. Très bien, ici on a ça. Ensuite... Toi, tu vas pouvoir faire je sais pas quoi, parce que malheureusement, on n'a pas la technologie pour exploiter ce truc-là, je crois. Ah, si, on peut. Non, on ne peut pas, malheureusement. Donc, du coup, je sais pas... Si, tu peux aller là, j'avais pas fait attention. Alors, du coup... Ok, un cul-de-sac. Où ça, le nid? Ouais, on s'en fout un peu. Donc, du coup, tout ça, ça va être fait tranquillement. Ouais. Donc on va valider. Ah oui, mince, avec tout ça, j'ai oublié de faire le trait. Ah, c'est pas bien, j'oublie de faire le trait. Donc on va faire ça tout de suite, histoire de pouvoir avancer. Parce que c'est vrai que c'est pas très évident pour nous, la situation actuellement. Mes traits de caractère, domestique, c'est cela. Donc choisir les accords. Donc ça nous fait que nos ressources stratégiques génèrent de la santé. Très bien. Confirmé. Je fais l'upgrade. Je fais l'upgrade. Voilà. Normalement, ça nous sauve les miches, voilà. Donc on gagne pas mal de bouffe, du coup. Hop. D'accord, très bien. Ici, hop. 60 d'énergie en plus. Ensuite... bah ici, on n'a pas le choix. Toi, tu vas aller là. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut faire comme installation intéressante? On va faire la relique. Ça nous permettra de gagner un peu. Donc, on va faire ça. C'est parti. Du coup, ça serait bien, par contre, qu'ils se dépêchent de faire la route. Parce que ça nous coûte un bras. J'ai pas trop envie de perdre mon argent pour ce genre de choses, qui est normal, je pense. Alors, du coup, il y a quoi ici? Il n'y a pas grand-chose. Tu me fais ça. Tu me fais ça. Hop, c'est parti. Alors, je trouve pas beaucoup de plantes. C'est un peu chiant. Même carrément. Au-delà des frontières, en dehors de la répulsion attendue d'elle, les xénobiologistes ne sont pas certains des effets de la nouvelle barrière ultrasonique sur la faune locale. Les premières études montrent que la barrière attise l'agressivité des extraterrestres et qu'en limitant sa production, ceux-ci seraient plus partagés quant à nos convois commerciaux. Une autre option consisterait à augmenter la portée afin de protéger la ville. Alors non, ça je m'en fous, c'est plutôt voilà. Les convois commerciaux ne sont pas attaqués par les unités extraterrestres, voilà. C'est très bien, comme ça on va pouvoir faire plein de convois commerciaux sans devoir subir les conséquences de ces bestioles. L'hypothèse était vraie, et les espèces indigènes n'ont désormais que faire, ou presque, de nos marchands. Voilà, très bien. Donc ça c'est très bien, on a nos marchands qui sont protégés. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Du coup, où est-ce qu'on en est là? Encore une nacelle. Jusqu'ici, peut-être. Jusqu'ici. Toi, t'as fini. Très bien. Tu viens de faire ça. Nouvelle doctrine. Alors... pour les nouvelles villes fondées, ouais. Alors, plus 3 d'énergie pour toutes vos routes commerciales terrestres liées à des villes étrangères, maritimes reliées à des villes étrangères. Est-ce qu'ils considèrent les stations comme des villes étrangères? Ça, c'est la grande question. J'ai plutôt faire ça, du coup.
Hop, très bien. Ça diminue le coût de... de nos bâtiments, enfin des cases à prendre, c'est plutôt bien. Même très bien, je dirais. Va jusqu'ici, toi, hop. 25 de culture, très bien. Ah, très bien, on peut enfin refaire ça. Du coup, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là, hop. Toi, tu vas me faire ça. Par contre, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Le verre à pop, c'est chiant. Frontière vitale. Un scientifique travaillant dans notre vivarium a fait une grande découverte. Ces cultures de xénoxite réagissent bizarrement aux tissus organiques terriens. Excusez-moi. Et elle dit pouvoir les utiliser pour créer des organismes hybrides extraterriens. Ses collègues considèrent qu'il est dangereux et malsain de se mêler de la biologie extraterrestre avant d'en comprendre parfaitement les conséquences. Ils menacent de mettre fin au projet. Du coup, on va faire quoi? On va plus arrêter le projet, ouais, très bien. Les scientifiques, la scientifique renégate, a été renvoyée. On a rappelé au personnel du vivarium leur objectif premier. Courage. C'est pas un désert, c'est un désert. Ici, c'est des déserts, ici, c'est pas des déserts. Donc, va falloir espérer que la ville s'étende par ici. Ça serait plutôt bien pour nous. On va valider le tour. Vu qu'on peut rien faire d'autre, faut bien valider. Ici, il y a un truc. Ouais, on va aller le faire. Ici, il y a un autre truc, donc on va aller le faire. Hop, exploitation. Exploitation, c'est un truc progéniteur, ça, en plus, ouais, c'est un truc progéniteur. Hop. Ici, 40 d'énergie en plus, très bien. Hop, c'est bien, on a une armée d'explorateurs, c'est plutôt bien pour nous. Ça nous permet d'essayer de comprendre un peu la faune et la flore locale. Avec les soldats que vous avez. Assurez-vous d'avoir les soldats que vous voulez. Ok, Rinaldo, Leonardo, Pedro, Bolivar, de Alexenka, Araripe. Principe de la guerre moderne. Bon, c'est le mec de la... c'est le chef de la faction brésilienne, tout simplement. Ah ben voilà, j'ai enfin un point, voilà. Oh la vache, hein, depuis le temps. Hop, on va aller là. Y'a rien du tout, ici, hop. Très bien. Donc du coup, maintenant, on doit choisir un nouveau truc de recherche. Le mieux, ça serait de faire ça, sauf que ça nous sert à rien. On s'en fout, on n'a pas de ville aquatique. Réserve extraterrestre. Intéressant, mais voilà. Ainsi contrôler les unités cibles, mais perdre quelques PV dans l'opération. Ouais, bof. Du coup, on va devoir faire quoi, là? Les cases procurent plus 1 de santé lorsqu'elles sont exploitées par une ville, mais pas au-delà des limites de santé de la ville locale. Ouais, ça, ça serait bien, mais plus tard. Robotique, cette affaire. Ouais, on va la faire, même. Ça va permettre de débloquer la suite, puis on pourra exploiter la Phyraxite. Malheureusement, pour exploiter le miasme, il faut aller ici. Donc, c'est pas vraiment des plus faciles. Dans les filtres, je voudrais... Il n'y a pas le filtre d'affinité, ça c'est un peu chiant. Fermé. Bon, ben, je ne peux pas vous dire. Vraiment pas très pratique, cette histoire-là. Du coup, il faut que je prenne une recherche qui augmente notre affinité. Sauf que ça risque d'être compliqué. À la limite, le plus rentable, ce serait de faire une raffinerie d'eau, mais ça vaut peut-être pas le coup aussi. Donc, du coup, je sais pas du tout quoi faire. Donc, on va faire quoi? Bah, on va peut-être faire la... ça, ça nous permettra d'avoir de la défense. On aura l'auto-usine. Et on aura l'exploitation de la Phyraxite. Sauf qu'elle ne nous sert pas vraiment à grand-chose pour le moment. Je vais passer 3 heures à réfléchir, là. C'est super. On va plutôt faire les rangers. Alors, on va faire ça, ça va pas nous tuer. Ça fera un petit truc en plus. C'est moins compliqué, du coup. Hop, on valide le tour. Les aliens qui font leur petite balade. Nous, on va continuer la nôtre. Hop. Même s'il y a malheureusement pas grand-chose à dire. Cruel à dire, mais c'est vrai, hein, faut le dire.
Plus 1 de science, si j'ai 1, donc ouais, ça peut être bien, sauf que ça me consomme 1, donc c'est moins bien. On va faire le réacteur, hop, c'est parti. Petit réacteur, hop. Désolé s'il y a l'horloge à nouveau, hein, malheureusement je ne peux pas y faire grand chose, hein, je ne vais pas casser l'horloge pour vous. Je sais que pour certains ça leur ferait trop plaisir. Je vous connais bien les gars. Du coup, toi tu vas me faire quoi? Bah du coup j'ai perdu mon ouvrier qui était là-bas. Fuck. Ça c'est un peu l'inconvénient du verre, il est chiant, parce qu'il me pète mes ouvriers, ce qui est un peu chiant, ce qui fait qu'on perd de l'argent justement, puisqu'on n'a pas fini la route commerciale. Donc du coup, toi, hop. Hop, voilà. Alors, votre expédition a découvert que le mystérieux appareil des progéniteurs produisait de faibles radiations. L'équipe a mis au profit ce phénomène pour mener à bien des expériences qui auraient été impossibles ailleurs et a compris comment mieux manipuler l'écosystème de cette planète et progresser en tant que peuple. En conséquence, nous gagnons 14 points d'affinité en suprématie, ce qui fait qu'on est à niveau 3 quand même en suprématie, le truc qui m'énerve, parce que je veux pas de la suprématie. Donc, objet déconcertant usé. Ok, ils savent pas c'est quoi. Ok, très bien. Le progrès commence lorsque quelqu'un dit « Il doit y avoir un meilleur moyen de faire ça. » Donc, les 5 thermostiques qui est un prologue de la techné. Ok. Sauf que ça me fait suer, je veux pas. Je veux pas, donc... Tac. Ignorer. 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 Oh là là là, faut toujours ignorer, ça me saoule. Hop. Ignorer. En plus, on n'est pas très versé dans la guerre, donc en fait, on s'en fout pas mal. On n'est pas perdant en soi. Hop. Le sous-marin, ignoré. Ah oui, le sous-marin, il a de la gueule, hein, honnêtement. On va pas le nier, en suprématie, il est... c'est sympa, par contre, là, il est complètement dégueu. Ignorer. Ignorer, voilà. Et lui aussi. Ah non, lui, du coup, on n'en a pas besoin. Ok, très bien. Voilà. Unité en attente d'ordre. Bah oui, n'est-ce pas? Donc du coup, tu vas aller par là. Et du coup, il me fait suer, lui. Parce que je peux rien faire de ce côté. Va falloir le tuer, ça me fait suer, j'aime pas. Du coup, ça veut dire que si on prend ça... On prend ça et on prend ça. Ah, là, ça peut être intéressant. Libre arbitre mécanique assisté. Coût en science des technologies de nœuds. En 15%. Là, ça peut être intéressant. Ah, là, c'est... Ouais, ouais, vraiment bien. Et si je mets ce truc-là, ça fait... Extrait anti-sommeil. Vitesse de construction des aménagements. Ah, ben voilà. C'est bien. Voilà. Très bien. Extrait anti-sommeil. Vitesse de construction des aménagements plus 50%. Du soleil en pilule. Cette combinaison de substances chimiques terrestres et locales a permis une véritable révolution en termes de médicaments capables de remplacer le sommeil. Grâce à ce complément, les travailleurs peuvent facilement tenir plusieurs jours sans dormir. Tout complètement fumé. Donc du coup, bah, c'est bien. Sauf que ça me sert à rien puisque je ne peux rien produire. Parce qu'il y a l'autre trou du cul de verre là, qui me bloque. Et que je peux pas y faire grand chose. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille comme un gros sac moi. On va passer le tour. Qu'est-ce qu'elle me veut? Au nom de l'intègre, je vous salue et vous souhaite la bonne chance à votre colonie. Aucun de nous n'en aura besoin si nous apprenons à travailler de concert. D'accord, je sais pas ce que tu me veux. Ok, très bien. Ok. Alors, nous avons reçu une désormais d'agents secrets. Tais-toi. Nous avons reçu une transmission codée contenant le message suivant. La loge Culper a des intérêts à Quyen. Nous devons y établir un réseau d'espionnage. Ok. Ok. Nous venons de recevoir une nouvelle transmission cryptée. Peut-il y avoir la loge apprécie vos efforts. Nous vous recontacterons. Ok. Très bien. Donc ça c'est fait. Toi tu vas aller là maintenant. C'est quoi? C'est une plaine? Ouais. Donc tu me fais ça. Toi, t'as fait le boulot, c'est très bien. Donc tu vas retourner par ici. C'est très bien, tu vas aller par ici. C'est très bien, tu vas pouvoir aller par ici.
C'est très bien réussi. Hop, on avance. Ah, une petite connerie là, ça peut être bien. Alors, on n'a rien gagné de nouveau aussi. Bon, je sais pas. L'expédition a découvert mystérieux. Des points en plus. Alors, votre expédition a découvert un immense labyrinthe enfoui sous les ruines progéniteurs. En explorant, elle a découvert de nombreux appareils inactifs fabriqués à partir d'une pierre lumineuse qui se sont désintégrés quelques minutes à peine après avoir été manipulés. Le reste de Dédale était vide et silencieux. Non, vide et silencieux, je dis des bêtises. Les connaissances obtenues grâce à ces appareils permettent de mieux comprendre en partie une technologie lointaine, la théorie des champs que nos scientifiques ont pu commencer à étudier. Ok. Du coup, qui est terminé, c'est très bien. Ici, à Mandira, nous allons faire... on va faire quoi? On va faire la pharma, truc du machin, truc chose. Décision de quête. Stéphane contre le Nouveau Monde. Alors, c'est une découverte surprenante, mais nos agents secrets ont confirmé l'existence d'un réseau d'esclavage illégal. Ils ont découvert différents entrepôts dans lesquels... plus de 200 hommes et femmes étaient forcés de travailler à la chaîne. Oh, c'est pas bien. Oh. non, je suis pas du tout crédible. Leurs origines sont encore plus rocambolesques. Parmi les rescapés se trouvait Stephen, l'auteur de la lettre. Interrogé par le gouvernement, il a décrit la situation incroyable dans laquelle ses compagnons et lui se sont retrouvés. Vous savez, à l'origine, nous étions des ingénieurs. Sur Terre, nous avons tout abandonné pour permettre à nos familles de rentrer clandestinement dans le vaisseau. En construisant nos propres modules de stase et en volant des médicaments dans les réserves du vaisseau. La plupart d'entre nous a survécu au voyage. Cependant, en arrivant sur la nouvelle planète, ceux qui leur avaient permis de s'introduire à bord se sont retournés contre eux, ils furent enfermés et forcés à travailler pour rembourser leurs dettes. Maintenant que ces prisonniers ont été libérés, notre colonie fait face à une décision importante. Il est clair que ces clandestins sont dotés d'un instinct de survie impressionnant. Mais nos colonisateurs ont été choisis pour une bonne raison, tandis que notre avenir... et toujours incertain, pouvons-nous risquer de partager nos ressources avec ces criminels? Alors soit on les accepte, ça fait un bonus, soit on les refuse, ça fait un bonus, enfin un bonus de suprématie ou harmonie. Je vais plutôt faire harmonie, parce que je suis à la ramasse. Gros texte, Stephen contre le Nouveau Monde. Nos colonisateurs ont été choisis pour une raison et beaucoup auraient tué pour être à leur place. Ces captifs ont sûrement beaucoup souffert, mais ce qu'ils ont fait pour venir ici est inacceptable. Nous ne pouvons pas leur offrir... un accès libre à la colonie, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer ce qu'ils ont dû traverser depuis leur arrivée. La priorité, c'est leur état de santé. Ok, très bien, c'est cool. Ah, nouveau décision de quête. Les tests cliniques ont révélé des éléments intéressants sur les naufragés. Même s'ils ont survécu au voyage intergalactique, leur méthode d'absorption de stase n'était pas parfaite. Les composés chimiques étrangers se sont infiltrés dans leur système sanguin, ce qui leur a permis d'hériter d'un système immunitaire extrêmement résistant. Grâce à lui, ces clandestins possèdent un avantage de taille dans cet environnement extraterrestre. Et grand bien leur fasse, car il est hors de question qu'ils restent parmi les nôtres. Maintenant que la plupart des naufragés se sont remis de leur période de captivité, leurs crimes doivent être punis. Engagés, harmonie ou exilés. Non, j'ai les engagés du coup. Nous ne devrions pas nous précipiter, il est vrai qu'il s'agit de criminels, mais ces naufragés peuvent être consacrés le temps qu'il leur reste au service de la colonie. Leur immunité a déjà fait d'eux des survivants d'exception. Nous allons les laisser payer leur tête en nous aidant à explorer cette nouvelle planète inconnue. Ok, donc du coup, hop, on va la jeter direct. Explorateur. Très bien, plus 10 points d'harmonie. Les premiers explorateurs naufragés sont très prometteurs sur le terrain. Certaines unités ont rapporté qu'elles se sentaient encore plus fortes en dehors des murs de la ville. Nous avons bien fait de les compter dans nos rangs. Les criminels peuvent toujours se racheter en rendant service à la société. Tout à fait. Ce matin, j'ai vu des volées d'oiseaux dans le ciel et des troupeaux dans la plaine. J'ai écouté le son de l'eau mêlé à celui des chants matinaux et j'ai pleuré face à tant de beauté. Alors, c'est de Zul Ryoji, Poésie du Nouveau Jardin. Ok, très bien. Hop, on fait un petit retour. Je vais dire un projet. Alors oui, ça c'est le truc du système de service secret. Je le trouve mieux fait que dans Civilization 5. Bon, vous allez bien voir au fur et à mesure, j'ai pris mon pied. Sécurité intérieure, puissance de la ville, plus 10%, PV, plus 1%. Puissance de la ville, pardon, plus 1, et pareil pour PV, défense. Production de la merveille. Sinon santé plus 2, sinon système de soutien. Donc ça donne un bonus. Ça diminue
Les risques encourus des opérations. Oui, on va plutôt faire opération de reconnaissance. Assigné. Du coup, je me rappelle plus dans nos quêtes ce que ça demandait. Quyen. D'accord, donc on va faire ça d'abord. Où est-ce qu'il est mon réseau? Quyen. Quyen. Ah tiens, c'est nouveau ça. Ah oui, non, c'est vrai, on peut le faire, ok. Quyen. Quyen, ok, c'est là-bas. On va l'assigner. Toi, tu vas aller à... ouais, on va l'envoyer... Je vais l'envoyer là-bas. Non, là-bas. Parce que j'ai pas du tout de vue. Et toi, j'ai t'envoyé à... à Hard. Voilà. Ça ne fera pas de mal. Du coup, toi, t'as augmenté de population. C'est cool, tu continues à augmenter. Tu me fous dans la merde, mais c'est bien. Tu augmentes. Wouh. Et on va valider le tour, c'est parti. Alors, ah non, mince. Du coup, il y a lui qu'il faut que je rapatrie, parce qu'on n'a pas le choix. Et du coup, bah, tu vas dormir, parce que je peux rien faire d'autre. Je vois que le temps est passé, donc on va se quitter là. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Steam, Uplay et PS3, Miri421. Et je vous dis à la prochaine pour un 4e épisode, si je ne me trompe pas, de Civilization Beyond Earth, Rising Tide. Allez, tchuss et à la prochaine.